Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? J'ai envie de changer, mais en même temps, je ne suis pas tout à fait disposé à faire des efforts. Je fais de mon mieux. Et à chaque fois que je me débarrasse d'une obsession, une autre obsession la remplace. Vous venez de bailler, je suis coincé. Et chaque jour, ça se répète. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez? Jimmy! Hé, Liz! Il est 3h du matin! Je suis désolé. Y'a quoi dans ce bol? Des bretzels. Dans l'autre bol? Un petit peu d'antidouleur. Juste un peu? Mais c'est juste un petit paquet. Il faut que je te pose une question. Tu vas être comme ça pour toujours? J'en sais rien. Ah, salut. Paul, je suis simplement inquiet pour toi. Ça fait un an que je fais mon deuil. C'est pas ce que j'appelle un deuil. Je déteste cette tête d'enterrement. C'est mon visage. J'ai toujours une tête de chien battu. Il n'arrêtait pas de dire et de redire combien j'étais débile. Mais voilà, il m'aime. Votre mari vous fait subir des violences morales. Il ne cherche pas à changer et le temps n'y fera rien. Mais plaquez-le, bordel. D'accord. Paul, je crois que je suis capable d'aider ces gens si je prends des risques. Votre mère voulait que vous répandiez ses cendres, c'est ça? On sait bien ce qu'ils doivent faire. Ça vous arrive de vouloir un peu les secouer? On se retient. En fait, oubliez. Courez! C'est si contraire à l'éthique. Est-ce que tu comptes mettre un terme à ta carrière et m'entraîner avec toi? On le fait à pile ou face? Allez, va-t'en. Attends, c'est mon bureau, en fait. T'aurais dû réagir plus vite. Les patients ne se sont jamais aussi bien portés. Ça marche du tonnerre. Je suis juste derrière! Personne n'y échappe. Ça fait partie de la vie. J'arrive plus à me rappeler du rire de maman. Elle est en train de disparaître, je le sens. Tu as toujours le choix. Soit tu te laisses submerger par ce qui t'arrive, soit tu prends la décision d'aller d'avant. Oh oui! Je suis contente que t'aies retrouvé la motivation. Tu vas laisser ta bagnole ici. Je suis un mec blanc à Pasadena. Les flics vont probablement la déposer chez moi pour moi. Sympa, ta vie. Salut Derek, ça va? Je promène le chien que je voulais pas. La patiente a emménagé dans la maison de sa sœur. On dirait que la journée commence merveilleusement bien pour nous.